Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille. Attends deux secondes. Comment tu t'appelles? Camille. Et toi? Qualité dit, enchanté. Quelle origine? Française. Ok. D'où exactement en France? En Haute-Savoie. Haute-Savoie. Bon, salut la Haute-Savoie. Salut la Haute-Savoie. Ok. Quelle ville? Megève. Megève, ok. Première, t'es là. T'es prête? Ouais. T'es plutôt clitoridienne ou vaginale? Ça, ça n'existe pas. Alors déjà, ça n'existe pas. Ah ouais? Parce que c'est clitoris interne ou externe. Voilà. Mais dis-moi alors, à peu près. Je sais pas. Pourquoi? Bah parce que je sais pas. Tu sais même pas c'est quoi ton anatomie? Bah si, mais alors, c'est gênant comme question ça quand c'est même. C'est pas gênant, bon, vas-y dis-le moi comme ça je vais. Non mais y'a le micro. Ouais mais y'a pas ton visage, dis-moi. Interne. Interne donc. Vaginale. Pourquoi? T'as mal pas sous votre vidéo aussi. Attends, je te donne, t'inquiète pas, pourquoi? Mais pourquoi? Je sais pas, parce que c'est que comme ça que j'ai découvert. Ouais, voilà. D'accord, ok. Bon, dernière question. Last Christmas, I give you scrap up. Ça va tranquille. Comment tu t'appelles? Laurine. Laurine, quelle origine? Marocaine française. Où ça exactement en Maroc? Fief. Et en France? Marseille. Ok, bah salut le Maroc et la France. Voilà. Et la province d'où tu viens, du Maroc et de la France. Ok, salut. Ça va? Là-bas, qu'est-ce que je dois dire? Bah salut le Fief et le. Salut le Fief et Marseille. Okay. Est-ce que t'es prête? Ok, je suis prête. Allez, c'est parti. Ok, dis-moi exactement. Ouais. Est-ce que tu peux me dire exactement? Oui. Tu es plutôt clitoridienne ou vaginale? Pardon, je suis plutôt quoi? Clitoridienne ou vaginale? Vaginale à 100%. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Explique-moi. Non, parce que c'est moi, ce que j'aime moi. Après, je pourrais pas l'expliquer, mais genre, moi je préfère. Après, genre, moi j'aime pas qu'on me touche au niveau du clitoris. Ah ouais? C'est très bien. Ah, donc ton anatomie, en fait, elle est, c'est ça en fait? Ouais, c'est plus ça, ouais, c'est plus vaginale, ouais. Et t'as eu cette expérience? Comment ça? Si j'ai eu l'expérience vaginale? Ouais. Bah évidemment, oui. Si je suis vierge, c'est ça la question. Ah ouais, ouais. Bah du coup c'est ça, ouais. Ah, ouais. Non, oui, j'ai eu, c'est oui, bien sûr, oui. Ok, ok. Oui. Ça va et toi? Ça va tranquille. Comment tu t'appelles? Mélissa. Mélissa, t'es quelle origine? Française algérienne. Où ça en Algérie? Oran. Oran. Et en France? Paris-Toulouse. Paris-Toulouse. Oh, okay. C'est ça. Salut l'Algérie, l'Oran et salut, là, cette question Oran, est un peu chaude. Est-ce que t'es prête? Ouais. T'es plutôt clitoridienne ou vaginale? Clitoridienne. Pourquoi? C'est pas le même plaisir. C'est pas le même plaisir. Hein. Ouais. Arrête, apparemment, maintenant, tout le monde est clitoridien et. Ouais, 95%. Apparemment, ouais, même, je veux dire, en passant par le vagin, ça touche quand même le clito, donc ça veut dire que ça revient au même au final, mais voilà. Donc toi, t'es quoi? Clitoridienne. Plutôt, ouais. D'accord. Bon, là, c'est question. Ça va? Ouais, ça va, super. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, tranquille. Et toi? Super. Comment tu t'appelles? Juliette. Juliette? T'as quelle origine? Je suis d'origine française-italienne. Ok, salut la France et l'Italie là-bas. Hello! Ok, j'aimerais bien que tu me dises, parce que c'est notre marque de fabrique, mais ouais. En même temps tu dois signer, tu dis pleinement je suis consentante de cette vidéo. Je suis consentante de cette vidéo. Ok, ok, bon. Dis-moi, question un peu chaude, t'es prête? Ouais. T'es plutôt clitoridienne ou vaginale? C'est bizarre ça. Tu t'es jamais posé la question? Non. Tu connais pas ton anatomie? Si. Ah bah alors. Bah écoute, je dirais plus vaginal. T'es sûr de toi? Ouais, je pense. Donc, tu fais partie des 5% rares de cette planète? Ouais, je crois, ouais. Ah ouais? Ouais. T'as déjà eu cette expérience? Ouais. Ah là 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 là. Bon, regarde. Dernière question. Est-ce que t'as déjà fait? C'est bon? Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va tranquille. Comment tu t'appelles? Ciara. Ciara. Ciara, comme la chanteuse Ciara. Like You avec Bawao. Quelle belle chanson! C'est mon ex. Hein. Ah, regarde comment elle parle! Et beauté ébène, vraiment belle couleur! Merci. Faut pas mettre la crème éclaircissante, faut non, rester comme ça. T'inquiète pas. Ok. T'es quelle origine? Guinéenne. Guinéenne. Bissau? Ouais, Bissau. Ok, bon, faut saluer vraiment Guinée-Bissau là-bas. Hola toda gente, the baddest bitches in the game. Skis. Ok. Bon, là, cette question va être chaude. T'es prête? Moi, je suis prête à tout. Hein. Dis-moi, t'es plutôt clitoridienne ou vaginale? Pardon? T'es plutôt clitoridienne ou vaginale? Wow, wow, wow.
Attends. Hé, mon futur mari. Ah, ça c'est rien. C'est un anatomique, c'est naturel. Clitoris. Aïe. Bon, elle est dans les normes, hein, 95%. Et pourquoi? Par expérience ou bien parce que tu sens que c'est comme ça? Par expérience. Par expérience, hein. Oui. T'as senti vraiment que... En fait, moi, j'aime tout ce qui est sensuel, foreplay. Ouais. On peut pas juste... allez, hop, c'est pas ça la vie. Ah, il faut vraiment les... Oui. J'ai compris. Dernière question. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Comment tu t'appelles? Nanou. Nanou? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Nanou. 20 ans. Et voilà, égyptienne marocaine. Ah ouais, quelle ethnie? T'as dit quoi? Quelle province? C'est-à-dire? Province, d'où? Quelle province, d'où au Maroc? À Casa, Marrakech et en Égypte, le Caire. Deuxième question, dis-moi. Ouais. T'es plutôt vaginale ou clitoridienne? Ça veut dire quoi, ça? Bon, laisse-moi. T'as pas compris ça? Non, j'ai pas compris. Bon, on va changer, c'est pas grave. Ok. Dis-moi. C'est bon? Ouais. Dites-moi. Vous êtes plutôt clitoridienne ou vaginale? Non, toi, t'abuses, toi. Demande à elle, c'est mieux. Deuxième. Vaginale? Oui. Si elle a fait cette tête, c'est que c'est la merde. Voilà, sans commentaire, elle a compris. Non, la caméra a compris. Ouais. Vaginale aussi? Non. La clitoridienne? Ouais. Ah, clitoridienne? Ouais. Pourquoi? Pourquoi t'es vaginale? Ça va. C'est trop là. Non, mais, non, juste une petite précision, après c'est fini. Mais déjà, moi, par rapport à la science, parce que j'aime bien tout ce qui est chiffres, etc. Ouais. 95% des femmes sont clitoridiennes. Donc les vaginales, ouais, c'est très rare. Et donc souvent, les femmes qui disent qu'elles sont vaginales, c'est parce qu'elles savent pas trop ce que c'est en fait. Bon, ça veut dire, elle sait pas ce que c'est. Moi, je sais c'est quoi, et c'est parce que je suis rare, justement. Tu connais, elle a dit on est rare, et bah voilà. Du coup, je suis très rare. Je vais expliquer, et je pense qu'elle, c'est le cas, mais c'est très très rare. En général, une femme, elle est clitoridienne. C'est parce que je suis rare. Ah, donc t'es rare. Oui. D'accord, ok. Ok, merci. C'est bon. Ça va et toi? Ça va, tranquille. Comment tu t'appelles? Naomi. Naomi. Quelle origine? Franco-américaine. Okay, tu peux saluer la France et l'Amérique. De quelle région tu viens de l'Amérique? Hi. Quelle région tu viens d'Amérique? C'est mon père qui vient de Salem. Salem? Ouais. D'accord, ok. Première question. Ouais, j'ai déjà dit ça. Est-ce que déjà... Ah oui, est-ce que tu es plutôt clitoridienne ou vaginale? Clitoridienne, ouais, je pense. Ah ouais, bah oui, c'est... Mais j'aime bien aussi. T'as déjà fait, pardon? J'ai eu des expériences, mais... pas officiellement, tu vois. Ça n'a pas duré très longtemps, on va dire. Mmh. On va pas rentrer dans les détails. Mais je suis pas contre. D'accord. Attends, là, c'est la dernière... Et toi? Ça va, tranquille. Comment tu t'appelles? Chloé. Chloé, quelle origine? Tunisienne, israélienne. Ah bon? Ouais. Okay, salut la Tunisie, salut l'Israël. Salut. Ok, première question, dis-moi, est-ce que tu peux me dire exactement, t'es plutôt clitoridienne ou vaginale? Clitoridienne. Pourquoi? Parce que je peux pas l'expliquer, mais... C'est naturel. C'est, ouais, c'est comme ça, genre. D'accord. Deuxième question. Vous êtes plutôt clitoridienne ou vaginale? Attention, quelle question tu poses devant ma petite sœur, hein? Non, mais c'est quoi ça? Tu l'as déjà fait, toi? Non. Bon, attends, faut bouger alors, c'est bon, sors. Non, viens, toi, tu l'as déjà fait. Venez, voilà. Allez, disqualifiée. On a une famille. Oui, non. Ne me parle pas avec eux. Non. Non, là, j'ai bien parlé. Là, j'ai exclu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Dites-moi, vous êtes plutôt clitoridienne ou vaginale? Non, ça reste dans mon intimité. Oh là là. Non, non. Hein? Bonne chance. Ah, grave, c'est merci. Non mais attendez, excusez-moi. J'ai dit que je vais poser des questions chaudes, j'ai dit que vous êtes chaude. Maintenant on pose la question. On m'a dit des questions. Mais c'est des questions. Je sais pas que ça va être aussi chaude, on n'a pas précisé. Ça, c'est trop chaud ça? Ça c'est petit, hein, parce que je vous ai posé après. Ah bon? Vas-y, pose ta prochaine question. Bon déjà pour répondre à moi, au moins ça. Et plutôt clitoridienne ou vaginale? Ça c'est rien, c'est l'anatomie humaine. De toute façon, tout le monde est plus clitoridien, vaginal, ça n'existe pas. Bah non, il y en a qui sont vaginales. Moi je te le dis, ma copine elle est infirmière. Ouais. Les filles, on est tous clitoridiennes, on n'est pas vaginales. C'est ouais. vrai ouais. Pourquoi? Parce que c'est l'anatomie de la femme, on a plus de comment, je sais plus comment ça s'appelle, dans le clitoris et tout, on n'est pas vaginal, genre. C'est des menteuses qui disent ça, vous êtes des menteuses. Mais non, parce que le médecin dit qu'il y a 5% de femmes qui sont vaginales. Bah, 5% de mythos.
Ah bon. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va tranquille et toi? Ça va très bien. Comment tu t'appelles? Diana. Juliette. Quelle origine? Française. Française. Ok, salut la France là-bas. Hey. Ok, première question. Dites-moi, vous êtes plutôt clitoridienne ou bien vaginale? Clitoridienne. Vaginale. Et pourquoi? Bah, je pense que les mecs savent pas forcément faire. Enfin, c'est... Ouais, je sais pas. Oh, vraiment? Bah, parce que c'est comme ça, je sais pas. Ouais, c'est dans la nature. Je sais pas s'il y a une vraie réponse à pourquoi, tu sais. Oh, okay. Je pense pas. Deuxième question. Pas de questions gênantes.